c'était le concerto pour Glockenspiel interprété par l'ensemble Intercontemporain en partenariat avec IRCAM. J'espère que cet extrait vous aura hautement inspiré et donné très envie de vous essayer à l'improvisation avec un patch qui fait n'importe quoi. Pour ce faire, je vais vous aider à le réaliser. Donc, je crée un nouveau rack, un patch vide, CTRL-B, pomme B. Pour les allergiques au raccourci clavier, vous pouvez faire apparaître le browser en cliquant sur cette petite icône dossier. Je vais chercher un sampler, recorder. Je connecte les entrées et les sorties. J'active le play loop. Je connecte un bouton rec, un bouton pitch, un bouton reverse et un bouton clear. Je vais agencer tout ça dans la fenêtre. Et donc voilà notre sampler prêt à l'emploi. Donc ce que je vais chercher à obtenir, c'est le déclenchement de l'enregistrement à chaque fois qu'un niveau sonore est atteint. Et quand ce même niveau sonore est de nouveau atteint, un basculement du rec vers une lecture pour jouer ce qui vient d'être enregistré. Donc dans les modules, je vais chercher un beat detector, beat follower plutôt. Il s'agit d'un sous-patch assez complet, on va voir comment il fonctionne. L'usine m'a créé mon sous-patch en dessous de mon patch. Je vais dans mes devices pour mettre mon micro dans l'entrée du rack. Là, je vois que le beat detector m'affiche des transitoires lorsqu'une attaque est détectée. Je peux augmenter le seuil pour ne pas avoir de déclenchement trop intempestif. Et je peux aussi régler l'intervalle pour neutraliser la détection au moment où celle-ci s'effectue, pour pas avoir de redondance. Allons dans notre switch rec. Je tire en sortie du bit détecteur, donc j'ai une sortie bit que je mets sur toggle. Et là, ça fonctionne. Le problème, c'est que ça fonctionne en permanence, donc je suis obligé de neutraliser le patch si je veux arrêter. Je vais vouloir ajouter un switch qui va activer l'effet ou le désactiver. Pour ce faire, je vais faire un clic droit sur le centre du câble ici, ajouter un module multiplié. Je vais aller chercher un nouveau switch que j'appelle on, qui a pour effet, lorsque le on et désactiver, d'envoyer la valeur 0 sur l'entrée B du multiplicateur et donc d'envoyer en permanence 0 sur le rec. Ce qui fait qu'à présent, j'ai beau faire rec, il ne se passe rien, il faut que le on soit activé pour enregistrer. Ce que je peux faire également, c'est désactiver ce switch on quand j'appuie sur clear. Ce qui fait qu'à la fin de ma performance, donc j'active, je fais une boucle, une nouvelle boucle. Quand je clear, mon on se désactive, ce qui peut être assez pratique. À présent, je vais vouloir ajouter de l'aléatoire dans cet effet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir générer des valeurs aléatoires lorsque l'enregistrement s'arrête. Je vais chercher mon module from 1 to 0. Que je relie à la sortie du rec. Attention, pas à la sortie du rec du switch, mais à la sortie de l'état du sampler. Je pourrais même le mettre ici, ce qui serait encore plus clair. Quand le sampler a fini d'enregistrer, je vais par exemple randomiser le reverse, ce qui veut dire qu'occasionnellement le reverse va basculer à l'endroit à l'envers. Démonstration. Je déclenche mon enregistrement, je parle. Voilà. Nouvel enregistrement. À l'endroit cette fois. À l'envers. À l'endroit. J'ai pas forcément une alternance. C'est de l'aléatoire. Je vais aussi pouvoir randomiser mon pitch. Alors, avant de le randomiser, en cliquant dessus, j'ai les paramètres. Par défaut, il est réglé sur plus 100, moins 100, ce qui est énorme. Par expérience, je sais que le pitch grave marche mieux que le pitch aigu. Donc, pour favoriser le pitch grave, je vais mettre mon 2 octaves vers le bas, une octave vers le haut. Je relis également le randomize.
et je vais faire un reset au clear. Testons à présent cela. J'enregistre. Mon on peut me servir aussi à bloquer la boucle si elle m'intéresse et que je souhaite improviser dessus. Pour finaliser, je réinitialise aussi mon reverse. Alors, sur les switches, j'ai pas vraiment de bouton reset, mais j'ai deux entrées set on, set off qui me permettent de choisir si je veux en permanence rebasculer le switch en on ou en off. Voilà, notre patch est terminé. Je peux essayer avec un fichier audio. Alors, avec mon Glockenspiel. Voilà, donc c'est un patch assez simple, hein, avec encore une fois peu de modules, et qui fonctionnera plutôt bien avec des percussions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.